Et salut les amis, c'est Magic Tis. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Dungeon. Voilà. Ça me tue de le faire en multijoueur. Enfin. Alors. Il était une fois une grande aventure. Oh, il est en français le jeu, c'est génial. Dangereuse. Abandonné par sa famille, un villageois bat la campagne en quête d'un abri. Mais il ne trouve que de la haine. Animé par la rage contre ceux qui l'ont trompé, il poursuit son errance sans but précis. Jusqu'à ce qu'enfin, il trouve quelque chose qui changera sa vie pour toujours. L'orbe de domination. Corrompu par le mal, animé par la vengeance, absolument rien ne résiste à l'archi-la-joie. Et toute résistance se révélera futile. Les villageois déferlent sur la campagne. Qui aura le courage? Qui aura la hardiesse de se dresser devant le régime de terreur de l'archi-la-joie? Non. Non, pas lui. Mais peut-être vous. Ok, ah alors, nouveau personnage. Ah là, j'en ai deux qui m'ont l'air bien, c'est le vieux et le jeune avec une balle. Le vieux et le jeune. D'accord. On a les skins de base. Et après, il y a un contenu téléchargeable, ok. Bon, évidemment. Bon, faut les sauver un peu quand même. Allez, je vais prendre lui ici, j'aime bien. Le village est en flammes. C'est sans aucun doute l'œuvre du terrible archi-la-joie et de ses sbires. Il déferle sur la campagne tel un fléau, en asservissant ou détruisant tout devant eux. L'heure est venue pour vous d'être un héros. N'attendez plus, les villageois comptent sur vous. Bon bah, re les amis, il y a eu un petit bug de son, donc je suis obligé d'enregistrer à l'ancienne. Allez, bon bah du coup, on va faire le tutoriel. Suivez le marqueur d'orientation pour atteindre l'objectif. Okay. Tu vois, il faut être un peu tutoriel, je pense. Ok. Battez le zombie. Ah. Un zombie. Bah oui, ils sont marrants avec moi. Ah, comme ça. Ils auraient pu même des raisons qu'il fallait appuyer sur A pour utiliser l'épée. Oh. Et c'est très sympa à prendre en main, je trouve. Ouais, ça va, franchement. Ouais, sans ça va. Tirer sur le garde squelette. Ouais, je sais pas comment on fait pour lancer. Ah d'accord, ouais, ok. Ah oui, vraiment, c'est très simple. Ouais, c'est surtout de pouvoir gérer son stuff, hein, surtout. J'ai une flèche dans la bouche. Du coup, t'allais me dire j'ai une flèche dans le cul, vraiment. Ok, allez, les zombies, ça dégage. Là, alors, provision. Ah, d'accord. Ouvrir. Ouais, du pain et des flèches. Ah ouais. Oh putain, j'ai fait la statue de la statue du villageois. Pas mal. Oh. D'accord. Oh tiens, salut toi. Ouais, j'ai battu le villageois. Enchantement. Oh. Ah, sélectionner un objet pour l'enfanter. Gagne une idée. Enchantement. Là. J'ai l'impression que t'es en train de rusher le jeu. Alors, enchantement. Ah, c'est bon, enchantement. Enchantement. Ah, non mais, oh, vous me laissez. Oh.
tirer sur le garde squelette. Ok. Putain, mais c'est trop dur. Là. Putain, alors le truc c'est que moi à chaque fois en fait je touche la gâchette là qui permet de faire des loopings, du coup je me retrouve à faire un lieu. Ok, d'accord. Hop, on récupère ça. Bon, voilà. Je vais en ligne maintenant. Vous n'avez pas pu sauver les villageois, mais gardez espoir. Il existera toujours des populations attendant l'arrivée d'un héros. D'accord. Alors, attends, peut-être la pieuvre. Ah, ok. Attention, et... une canne à pêche, ouais. Ah, voilà. On a pris exactement le même verso. Oh non. Pas changé de personne. Ça commence très bien, le bois des creepers, c'est très rassurant. Donjon-esque. Bon, par contre, le villageois qui est dans la cage, il a l'air hyper serein. Tout va bien. Hein. Par décret de l'archi-lageois, tous les individus libres sont considérés comme ennemis de l'Empire Illageois. Quelque part dans les bois, une caravane transporte les prisonniers villageois pour les faire travailler. Trouvez la caravane et stoppez les Illageois. Où nos amis villageois vont avoir de vraies raisons de hurler. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai une TNT sur la tête? Ah, bah bonne chance. Hein. C'était très compliqué en tout cas, ils ont dit. Tu peux me laisser la prochaine tête, s'il te plaît. J'ai des tendes sur la tête, mais comment tu sais? C'était pas une thématique très grande, hein, c'était juste. Ça disait quoi, dis-moi? Ça disait juste qu'il y avait des... qu'il faisait travailler les PNJ. Juste le jeu. Oh, c'est... ah d'accord, c'est à ça qu'elle sert la... Attends. C'est une très bonne idée de le faire sur un creeper. Hein. Est-ce que je peux t'attraper? Là. M'en fous, je tue les vaches. L'ambiance, elle est ouf. Il n'y a aucune musique, il n'y a rien du tout. Ah, j'ai encore gagné. Ça m'en fait beaucoup la vitamine qui s'en Attends, je vais t'aider à chaque fois. C'est amusant quand même les araignées, comment elles combattent. Elles te jettent leur suc à la tronche. Ouais, merci les mecs. Oh putain. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce quoi? Je crois qu'en fait, en utilisant l'arc, ça m'a utilisé toute la TNT. On va peut-être le garder pour le boss, tu crois pas? Je savais pas moi, tu veux que je sache comment? Libérer ouais. Les villageois. Du coup, il reste plus que le problème de la cinématique, mais bon. Occupé vers là-bas. Oh, c'est quoi ça? Soigne. Enfin, il rend plus fort surtout là. J'ai plus l'impression. Hop là. Putain, oula. Aïe. Je me suis tout pris d'un coup. Oh, c'est puissant l'effet de force. Ah, on peut pas dropper les objets par contre. Ah, d'accord, c'est en tuant les creepers qu'on obtient les TNT. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai plus de vie. Oh. Ici
Ces villageois ont été libérés de l'emprise des villageois. Tout ça grâce à vous. Ah bah tant mieux, hein. Si c'est grâce à nous. Une botte de peur. Oui, botte de célérité. Célérité. Des bottes bénites d'un enchantement qui permettent de se déplacer plus vite. Pas mal. Forgeron à côté de nous. Le forgeron, il fait un truc bien. Alors, oui, on voit. Oui. Alors, forgeron, pièce d'équipement aléatoire. Hein, ok. Bah, attends, j'irai voir juste après. J'ai accès, moi, vas-y. J'ai accès. Oui, moi aussi, j'ai assez. Emeraude, vous avez trouvé un coffre contenant 50 émeraudes. Alors, c'était mon armure de l'eau. Code d'écaille. Bah, je peux encore m'acheter un truc au forgeron, parfait. Allez. Une épée en diamant. Oh oui, une petite. Ok, ok. Ouais. Oh, enchante-la ton épée en diamant. Hein. Quoi? Oui, j'ai enchanté, hein, j'enchante tout. Chaque fois que j'ai un truc, j'enchante. Et bien les amis, c'est la fin de cet épisode sur Minecraft Dungeon. Je vous attends pour le prochain épisode. D'ici là, je vous dis à plus. Now let's go fly again.